WJEC GCSE French Unit 2 Listening Foundation Tier Summer 2019 Question 1 Louise and Pierre are talking about healthy eating. Tick the correct boxes. Section 1 Question 1A What does Louise hate? Question 1B How many pieces of fruit does Pierre eat a day? Question 1C Who always eats healthily? Ah non! Ma mère m'a encore donné des pommes! Je déteste ça. Vraiment Moi, je mange trois portions de fruits par jour. Tu es exactement comme mon cousin. Il mange toujours ça. Ah non, ma mère m'a encore donné des pommes. Je déteste ça. Vraiment Moi, je mange trois portions de fruits par jour. Tu es exactement comme mon cousin. Il mange toujours ça. Section 2 Question 1D What does Pierre suggest that Louise eats? Question 1E e. What does Louise prefer to do? Louise essaie de manger du poisson une fois par semaine. Très amusant. Faire une promenade, je préfère ça. Louise essaie de manger du poisson une fois par semaine. Très amusant. Faire une promenade, je préfère ça. Question 2. Listen to this conversation between Luc and his mother. Tick the correct boxes. Section 1. Question 2A. Luc asks his mum if he is. Question 2B. Luc's mum is. Maman, est-ce que tu penses que je suis travailleur Oui, bien sûr. Je suis très contente. Maman, est-ce que tu penses que je suis travailleur Oui, bien sûr, je suis très contente. Section 2. Two. Question 2c. Two at school, luke is. question 2d. his mum says that he likes. question 2e. some people in his class are. a l'école, je ne suis pas très bavard parce que je suis un peu timide. Vraiment Mais tu aimes bien parler avec tes amis sur ton portable Oui, mais dans ma classe, certains élèves ne sont pas sympas. À l'école, je ne suis pas très bavard parce que je suis un peu timide. Vraiment? Mais tu aimes bien parler avec tes amis sur ton portable? Oui, mais dans ma classe, certains élèves ne sont pas sympas. Question 3 Henri et Emma discutent des Bracken Beacons au pays de Galles. Écoute la conversation et coche les bonnes cases. Section 1 Question 3A Henri a visité les Bracken Beacons il y a Question 3B Emma y est allée? As-tu déjà visité les Brecon Beacons, Emma? Moi, j'y suis allée il y a deux semaines avec mes trois sœurs. Oui, moi, j'y suis allée. Pour fêter Noël l'année dernière. As-tu déjà visité les Brecken Beacons, Emma? Moi, j'y suis allée il y a deux semaines avec mes trois sœurs. Oui, moi, j'y suis allée pour fêter Noël l'année dernière. Section 2. Question 3c. Henri a loué. Question 3D. Pendant le séjour d'Emma, le temps était... J'ai loué un VTT pour mieux apprécier le beau paysage. Tu en as de la chance. Il pleuvait tous les jours pendant notre séjour. J'ai loué un VTT pour mieux apprécier le beau paysage. Tu en as de la chance. Il pleuvait tous les jours. Pendant notre séjour. Question 4. Tristan et Elodie parlent des personnes célèbres. Écoute le blog et coche les bonnes cases. Section 1. Question 4A. Tristan admire les... Question 4B. Il veut être un bon modèle pour les... Dis-moi, Tristan, quelles sont les personnes célèbres que tu admires le plus. J'admire surtout les chanteurs car il faut avoir du talent. Et toi, tu voudrais être célèbre Oui, j'aimerais être un très bon modèle pour les adolescents. Dis-moi, Tristan, quelles sont les personnes célèbres que tu admires le plus J'admire surtout les chanteurs, car il faut avoir du talent. Et toi, tu voudrais être célèbre Oui, j'aimerais être un très bon modèle pour les adolescents. Section 2 Question 4c Tristan voudrait être Question 4d Il voudrait avoir Coche deux cases Décris ton avenir idéal. Je voudrais me marier un jour au bord de la mer. Tu voudrais avoir une famille Oui, j'aimerais bien avoir un fils et une fille. En plus, j'aimerais avoir un cheval pour mes enfants. Décris ton avenir idéal. Je voudrais me marier un jour au bord de la mer. Tu voudrais avoir une famille Oui, j'aimerais bien avoir un fils et une fille. En plus, j'aimerais avoir un cheval pour mes enfants. Question 5. Marco is talking about apprenticeships. Answer the questions in English. Section 1. Question 5A. How does Marco describe an apprenticeship? Question 5B. What does an apprentice do in a typical month? Write 2 details. Le contrat d'apprentissage est, à mon avis, un choix idéal. Par exemple, sur un mois, un apprenti pourra travailler deux semaines dans l'entreprise, puis étudier deux semaines. Le contrat d'apprentissage est, à mon avis, un choix idéal. Par exemple, sur un mois, un apprenti pourra travailler deux semaines dans l'entreprise, puis étudier deux semaines. Section 2. Question 5C. What is the advantage of an apprenticeship? Write one detail. Question 5D. Apprenticeships are available from the age of 16 to. Les avantages. Augmenter ses chances de trouver un emploi. et recevoir un salaire. La formation est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. Les avantages. Augmenter ses chances de trouver un emploi et recevoir un salaire. La formation est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. Question 6. Listen to this online clip about Colmar in France. Tick the six correct statements. Bienvenue à Colmar, une ville parfaite pour les vacances en Alsace. En plus, c'est la capitale des vins d'Alsace. On peut aussi se rendre au marché couvert où on peut trouver une fromagerie incroyable. La ville de Colmar compte de nombreux musées célèbres comme le musée du jouet. Le sculpteur de la statue de la liberté est né ici n'est-ce pas oui le musée auguste bartholdi est situé dans sa maison natale colmar se trouve à soixante-dix-huit kilomètres de l'aéroport de strasbourg le plus proche venez à colmar Bienvenue à Colmar, une ville parfaite pour les vacances en Alsace. En plus, c'est la capitale des vins d'Alsace. On peut aussi se rendre au marché couvert où on peut trouver une fromagerie incroyable. La ville de Colmar compte de nombreux musées célèbres, comme le musée du jouet. Le sculpteur de la statue de la liberté est né ici, n'est-ce pas Oui, le musée Auguste Bartholdi est situé dans sa maison natale. Colmar se trouve à 78 km de l'aéroport de Strasbourg le plus proche. Venez à Colmar. Question 7. Listen to this podcast about a film festival. Answer the questions in English. Section 1. Question 7a. How much will a cinema ticket cost? Question 7b. What is the purpose of the film festival? Question 7c. What happened in 2016 durant quatre jours exceptionnels, la place de cinéma sera au prix unique de 4 euros dans toute la france Cette fête du cinéma permet de doubler le nombre de spectateurs En 2016, il y a eu 3 millions d'entrées. La fréquentation a triplé. Durant quatre jours exceptionnels, la place de cinéma sera au prix unique de 4 euros dans toute la France. Cette fête du cinéma permet de doubler le nombre de spectateurs. En 2016, il y a eu 3 millions d'entrées. La fréquentation a triplé. Section 2. Question 7D. What prizes can you win during the festival? Pour célébrer la fête du cinéma, on organisera un grand jeu dans tous les cinémas. On pourra gagner des prix exceptionnels, comme un voyage pour deux personnes à Hollywood, une voiture neuve, ou l'entrée gratuite au cinéma pendant un an. Pour célébrer la fête du cinéma, on organisera un grand jeu dans tous les cinémas. On pourra gagner des prix exceptionnels, comme un voyage pour deux personnes à Hollywood, une voiture neuve ou l'entrée gratuite au cinéma pendant un an. Question 8. Listen to Vivienne's blog about school uniform. Answer the questions in English. Section 1. Question 8a. What does Vivienne say about school uniform? Write one detail. Question 8b. What advantage does Vivienne give for wearing a school uniform question 8c why is this an advantage for her mon fils fréquente un collège public et porte un uniforme c'est tellement pratique et facile pas de casse tête le matin pour choisir ses vêtements un des avantages de porter un uniforme est que ça coûte moins cher. Pour moi, après le premier achat, je n'ai pas besoin d'acheter beaucoup de vêtements différents pendant le reste de l'année. Mon fils fréquente un collège public et porte un uniforme. C'est tellement pratique et facile. Pas de casse-tête le matin pour choisir ses vêtements. Un des avantages de porter un uniforme est que ça coûte moins cher. Pour moi, après le premier achat, je n'ai pas besoin d'acheter beaucoup de vêtements différents pendant le reste de l'année. Question 8D. Why doesn't Vivienne's son like wearing school uniform? Question 8E. Her son says that school uniform will not. Mais que disent les jeunes? Mon fils dit souvent qu'il déteste l'uniforme parce que ce n'est pas du tout son style. Il me dit toujours que ce n'est pas son uniforme qui va lui donner de bonnes notes en classe. Mais que disent les jeunes mon fils dit souvent qu'il déteste l'uniforme parce que ce n'est pas du tout son style. Il me dit toujours que ce n'est pas son uniforme qui va lui donner de bonnes notes en classe. Question 9. Listen to Eve's radio interview about an event in Paris in 2017. Answer the questions in English. Section 1. Question 9a. What environmental issue is being discussed? Question 9b. Why was the event successful? Write one reason. Question 9C. What was reduced by 25%? Bonjour Yves. La journée sans voiture en 2017 a-t-elle vraiment réduit la pollution à Paris? Oui. C'était un véritable succès. Une raison. Par exemple, le niveau de bruit a marqué une baisse importante. C'est merveilleux, ça. Oui, en effet. Cette journée a vu la circulation diminuer de 50% entre 11 et 12 heures. En plus, à 13 heures, le niveau de gaz dans l'air a diminué de vingt-cinq pour Bonjour, Yves. La journée sans voiture en 2017 a-t-elle vraiment réduit la pollution à Paris Oui, c'était un véritable succès. Une raison, par exemple, le niveau de bruit a marqué une baisse importante. C'est merveilleux, ça Oui, en effet. Cette journée a vu la circulation diminuer de 50% entre 11 et 12 heures. En plus, à 13 heures, le niveau de gaz dans l'air a diminué de 25%. Section 2 Question 9D What was the attitude of the people of Paris? Question 9E e. What did the people of Paris enjoy for one day? Et les Parisiens en étaient satisfaits? Bien sûr. Pendant une journée Ils ont tous pu profiter d'un air de meilleure qualité. Et les Parisiens en étaient satisfaits Bien sûr, pendant une journée, ils ont tous pu profiter d'un air de meilleure qualité. This is the end of the test.